Coucou les amis, c'est Scipion. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle. Oh là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve donc pour une vidéo dont je vais parler de deux personnes. Voilà, deux personnes dans cette vidéo. Alors, je vais commencer déjà par Smile. Alors, coucou à toi, Smile. Donc, alors pour moi, voilà. Bon, tout ce que je vais dire dans cette vidéo, je le pense réellement, bien évidemment. Voilà. Donc, pour moi, tu es une personne en or qui compte énormément. Voilà, tu aides quand un de tes amis ne va pas bien. Tu fais tout comme moi pour l'aider, donc tu l'aides, tu es là pour lui, tu lui parles, enfin tu lui parles assez souvent et tout. Tu es une personne très généreuse qui a le cœur sur la main. Alors cette vidéo en fait j'ai pas trop réfléchi, ça vient tout seul. Donc s'il y a des blancs, c'est un petit peu normal. Hein. T'es quelqu'un qui est unique, t'es vraiment adorable. Donc, t'es une personne en fait qui compte beaucoup. Comme je te l'ai dit dans la vidéo d'avant, voilà, t'es comme une deuxième maman. Voilà, moi, voilà, le rêve en fait, c'est de te rencontrer pour de vrai. Voilà, t'as vu ma tête, tu sais à quoi j'en ressemble. Je suis moche, je suis laid. Voilà, tu peux penser tout ce que tu veux. De toute façon, tout le monde me l'a dit que je suis moche et tout. J'en ai plus rien à foutre maintenant. Ça me fait quand même mal quand on me dit, mais voilà, on voit, mais je suis pas très grand, enfin je suis pas très grand, si je suis pas très gros, voilà, enfin je m'en bats les couilles, mais voilà, moi pour ma part, je n'aime pas mon corps, je ne trouve pas très beau, mais voilà, enfin bref. Et voilà, t'as vu ma tête comme je t'ai dit, donc moi j'aimerais tellement te rencontrer en vrai, donc pouvoir te parler et tout, voilà. Voilà quoi, pouvoir te parler, t'es une personne quand même vraiment adorable, et franchement, te rencontrer, bah. Il n'y aurait pas de mots quoi, il n'y aurait pas de mots et ça me ferait extrêmement plaisir. Ça me ferait extrêmement plaisir bah, de te rencontrer. C'est te voir, c'est pas la même chose que te parler en fait. Donc, enfin, je sais, c'est un peu compliqué à expliquer, mais voilà. T'es vraiment une personne en fait. Voilà, t'es vraiment une personne en fait en or et tout, et... Non, je vous rassure, j'ai juste... Enfin, c'est juste mes épéquilles, mais voilà, je pleure pas. Mais voilà, t'es vraiment quelqu'un unique, et j'ai pas envie de te perdre, Smile. T'es une personne en or, et voilà. Voilà, ça fait quelques mois que je te connais, je te suis, et te parler... Bah, quand je t'ai parlé la première fois, j'étais vraiment tout content. Et te parler maintenant, bah, je te considère comme une deuxième maman, Smile, tout simplement. Tout simplement pour moi, tu es tout ce que je viens de dire, je pense. Donc ensuite, je vous ai dit que j'allais vous parler d'une deuxième personne, sauf que malheureusement, je ne pourrais pas dire son nom. Je peux juste te montrer ceci. Voilà. Je peux juste montrer ceci. Je ne peux pas en dire plus. Je pense que la personne se reconnaîtra. Donc voilà, alors depuis que je te connais aussi, ça va faire quelques temps maintenant. Voilà, t'es vraiment une personne extraordinaire. T'es vraiment quelqu'un qui. Bah t'es une personne qui compte énormément pour moi. Et t'es vraiment une personne qui compte énormément pour moi. T'es adorable, toi aussi tu as le cœur sur la main. Les personnes que tu veux aider ou que tu peux aider et qui comptent énormément pour toi, tu le fais. Tu es vraiment très généreuse. T'es irremplaçable en fait. On peut pas te remplacer. Donc en fait, moi voilà, je te fais entièrement confiance, 100% confiance. Et voilà. Je pourrais jamais te trahir, toi
fois où la première personne que j'ai parlé, Smile, je pourrais jamais vous trahir. Vous trahir. Donc c'est pas dans mes habitudes. Tu comptes beaucoup pour moi, donc te parler aussi au début, je t'avoue, c'était vraiment très compliqué. Mais au fur et à mesure du temps, on a appris à se connaître, on a appris à jouer, enfin, on a appris à parler, on a joué ensemble. Et maintenant, voilà, le contact, enfin, le ton, on se parle beaucoup. On se parle beaucoup. Quand on se parle, franchement, on se tape de bonnes barres et tout. Mais voilà, en ce moment, j'ai pas, c'est pas vraiment la forme et tout. Mais j'essaie de le cacher quand même. Hein, comme on dit, un sourire peut cacher beaucoup de choses. Malheureusement, des moments, mon sourire cache énormément de choses que je ne parle pas. Et voilà. Voilà, aussi te voir, ça ferait extrêmement plaisir, franchement. Franchement, te voir aussi, ça me ferait plaisir, quoi. Je sais pas, j'aurais du mal à y croire. Est-ce que ça sera un rêve ou pas de vous voir? Est-ce que je suis un rêve ou pas? Est-ce que je suis dans un rêve? Dites-le moi, est-ce que je suis dans un rêve? J'écoute. Attends, je le pense. Aïe, ah, donc je suis pas dans un rêve. Donc, non, voilà, alors, franchement, j'aimerais tellement vous voir. Enfin, te voir. Je sais pas pourquoi j'ai dit vous. Je t'ai vous voyez, c'est bizarre. Ça me fait bizarre que vous voyez, enfin, bref. Et donc, voilà, ça me ferait plaisir de te voir, en fait. T'es quelqu'un qui compte beaucoup et tu as le cœur sur la main. Tu es une personne en or. T'es une personne en or, en fait. Moi, je refuse que qui que ce soit te manque de respect, te fasse du mal, te touche, ne serait-ce que te faire, enfin, te mettre une claque, te frapper, te toucher, te maltraiter, t'insulter. Je refuse et je ferai tout pour te défendre. Quitte à faire 100, 50, 100, 200, 2000, 10 000 kilomètres, je les ferai pour venir te voir et te protéger. Je pourrais remuer ciel et terre si je pourrais pour te trouver et t'aider en fait. Si je peux, je le ferai pour moi. Je le ferai. Je le ferai pour moi. J'ai bugué dans ma phrase d'avant, c'est fou. Voilà, je le ferai. Donc voilà. Donc maintenant, Smile, tu sais que pour moi, voilà, t'es comme une deuxième maman et tu le seras toujours. T'es ma petite Smile. Toi, bah, la deuxième personne, voilà. C'est une personne en or. Et toi aussi, j'aimerais tellement te voir. Donc voilà, alors, c'était un petit message que je voulais vous passer personnellement. Donc j'ai décidé de vous le passer comme ça, à l'oral. Peut-être que j'aurai d'autres messages à passer à d'autres personnes, qui sait donc, mais pour le moment, vous êtes les deux personnes à qui je passe un message. Donc en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao tout le monde.